bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo qu'on m'a demandé de faire. Donc, c'est pour savoir quel nom donner à son conjoint ou à son copain tant qu'un y est. Hein. Donc, je vous préviens tout de suite la liste que je vais vous lire, qui sera aussi en barre d'infos parce que pour la prononciation et tout, voilà, je vous l'ai fait, je vais le lire, va être en fait dans l'ordre chronologique, sauf la deuxième lettre du prénom. Je vous explique. Par exemple, la liste va commencer donc normalement par A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, et voilà. Mais par exemple, en fait, le prénom, je dis n'importe quoi, Azulu, bah, c'est ridicule, j'ai pas mis ça dans la liste, mais bon. Va peut-être se trouver en première position de la lettre A, alors que sa deuxième lettre est le Z. Et par exemple, Abulu. Peut-être en dernière position du coup, alors que c'est la deuxième lettre et le B qui normalement devrait se trouver en première position. Mais bon, voilà. En fait, en résumé, l'ordre chronologique ne dépend pas en fait de la deuxième lettre du prénom. Bah, car déjà en fait, j'ai eu un peu la flemme de voilà, et en fait, j'avais pas trop le temps aussi de mettre tout en ordre chronologique et tout. Pourquoi je dis chronologique? C'est pas chronologique, c'est alphabétique. Oubliez tout ce que j'ai dit, c'est alphabétique. Ordre alphabétique. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ordre alphabétique. N'importe quoi. Donc voilà. Autre chose, en fait, j'ai pas mis des prénoms humains en fait dans la liste. Car déjà, bah, perso, j'aime pas trop. Mais bon. Dans cette vidéo, en fait, on s'en fiche un peu de mon avis car j'ai déjà trouvé les prénoms des miens. Puis même, je n'ai pas mis tous les prénoms humains en fait dans la liste. Donc je ne l'ai pas fait. J'en ai peut-être mis un ou deux, mais voilà. C'est tout quoi, c'est juste comme ça. Donc bah on va commencer. Donc une toute dernière chose, si en fait il y a un mot qui vous plaît, mais il y a une lettre que vous n'aimez pas trop et que vous voulez changer, vous pouvez, parce que je vous donne la liste, mais après vous faites ce que vous voulez, parce que c'est pour vous après. Donc voilà. Donc voilà, moi il y a des trucs que j'aime pas trop en fait dans ce que j'ai écrit, des prénoms que je donnerai pas à mes cauchemars, mais bon. Comme j'ai dit, on s'en fiche de mon avis. Donc j'y vais. A. Ayoli. Agouti. Aiko. Astérix. Abricot. Aglaé. Arlequin. Agathe. B. Baya. Brownise. Bounty. Babelute. Bouboule. Bulle. Balloon. Biscotte. Bingo. Bubble. Banco. Butterfly. Pretzel. C. Oula, il y en a beaucoup, on sait. Cannelle, Caline, pardon, Cachou, Chicorée, Chic et Choc pour un couple ou des frères et sœurs inséparables, et Coca-Cola aussi, pareil. Cerise, Cacao, Cactus, Caribou, Chouquette, Chlorophylle, Caramel, Cookie, Chocapic, Coco, Crème, Crumble, Cajou, Chippy, Chips, Chaussette, Chiffon, Chelsea, Cassis, Chanel, Chocolat, Chico, Colin, Carotte, Goc, Carotte, Cracotte, pardon, Crash, Cristal, D, Daffy, Dali, Diabolo, Diamant, Diddle, Douglas, Dipsy, Domino, Doudou, Dougie, Dove, Darling, Dumbo, Domios, E, Éclair, Eclipse, Ernest, je crois que c'est un prénom Ernest mais je suis pas sûre, Étoile, Expresso, What Else, Émeraude, donc Expresso il n'y a pas What Else en derrière, c'est Expresso, je voulais faire un truc, mon petit fun quoi, F, Folio, Frida, Friskies, Funky, Fripouille, Flocon, Flash, Flamme, Flambise ou Flamby, Fleur, Filou, les petits filous, Ficelle, Fripon, Frimousse, Furby, Feli, Galipette, Google, Gédéon, Guimauve, Gloops, Gribouille, Grelon, Gipsy, Jelly, Junko, Grominet, Grognon, Grenadine, Griffon, Garfield, H, Haribo, Oli, Hop, Hera, I, là j'en ai pas trouvé beaucoup, I, Icy, Iris, Isis, Ivoire, J, Jolie,
Juice, je sais pas comment on dit, juice. Ka, Kiwi, Kiara, Kitty, Kinder, Kiko, Queenie, Koala, Ken et Barbie pour faire un couple aussi. Queen Aman, Elle, Lovely, Lollipop, Lilipop, Liara, Lilo, Levis, pardon, Lind, Litchi, Lemon, Little, Lali, Looping, Love, Lucky, Luigi, Luigi et Mario, Lulu, Lustucru, Lune, M, Mario, Malabar, Magnum, Marcassin, Mascotte, Mars, Mentos, Milka, Milk, Milou, Mimosa, Minnie et Mickey pour un couple et Mister et Mrs. pour un couple, Mirabelle, Mocha, Myrtille, Muguet, Mozart, Macaron, Mummy, Mumble, Misty Gris, Mozzarella, N, Nemo, Noisette, Nestlé, Nesquik, Nelly, Noël, Nougat, Nomka, Nouille, Nike, Nestie, Nestor, O, Obélix, Oggy, Audi, Audi et Garfield, Olive, Omar, Opaline, Opéra, Organza, Origan, Ouragan, Orange, Oscar, Oxo, Obi, Otto, Oasis, P, Pumpkin, Pêche, Pistache, Polochon, Pikachu, Pika, Pouka, Pompon, Punky, Puzzle, Pollux, Pumba, Pouxy, Pépito, Pingouin, Paillette, Paquito, Peluche, Pepsi, Perle, Pissenlit, Pilou, Pitchoun, Pitch, Poupouille, Pouic-Pouic, Plume, Q, Quechua, Kimix, Kinéa, Queenette, R, Ruby, Roxy Rookie pour un couple, Roxy, Ratatouille, Réglisse, Rigo, Rigola, les petits bonbons. S, Sunny, Sprite, Sushi, Snoopy, Schmitt, Scrabble, Scrabble, comme vous voulez, Scooby-Doo, Stitch, Samba, Sally, Scotch, Sweetie, Spencer, Sid, Smarties, Shannon, Spéculoos, Skype, Sissi, T, Tâche, Truffe, Tigrou, Tic-et-Tac pour un couple, Tortillas, Tortilla, comme vous voulez, Tornade, Trèfle, Tarzan, Tacos, Tagada, Tiramisu, Titi, Titou, Trésor, Twix, Tulipe, Twister, Twitter, U, Ulka, Uranus, V, Vanille, Vasco, Velveta, Velda aussi, un truc comme ça, Violette, Virgule, Voyou, Vroom, W, Wallace, Valas, je sais jamais comment on prononce les W, Valas ou Wallace. Là c'est Wally, dans le dessin animé Eve et Wally. Wagabond ou Vagabond, comme vous voulez. Vamise, Wamise. Wolfie, Wolfie. Willy, Willy. Wara ou Vara. Ou Willy, le d'avant. X, Xélo, Xéna. Y, Ying et Yang, pour un couple. Yello, Yop, Yoplait, Yo-Yo. Z, Zelda, Zeus, Zoro, Zigzag pour un couple. Zouzou, Zarbi, Zébulon et Zara. Donc on termine par ce prénom. Donc c'est fini. Je vais vous donner des conseils parce que je n'en ai pas donné avant la vidéo. Je vais vous en donner. Si vous n'aimez pas tout ce qu'il y a dans la liste et que vous ne trouvez pas votre bonheur ou que vous n'aimez pas en fait tout simplement, vous prenez un dictionnaire comme j'ai fait. Vous prenez un dictionnaire et vous cherchez dans la lettre que vous voulez que votre commun cochon d'Inde ou lapin commence par la lettre que vous choisissez quoi, et vous regardez dedans et en fait vous regardez page par page et vous voyez en fait des prénoms de dictionnaire, des prénoms de dictionnaire, des définitions, mais prenez pas des définitions genre guerre, on va pas prendre un cochon qui s'appelle guerre, genre terroriste, on va pas prendre terroriste, vous voyez, enfin on va pas prendre des noms un peu stupides parce qu'il faudra les dire aussi en public. Donc c'est un peu risqué aussi. Vous appelez pas ça, je sais pas quoi, culotte, je sais pas. Enfin, je sais pas, parce qu'après au public, vous n'allez pas me dire, allez, culotte, viens ici, culotte. Vous voyez, c'est un peu bête. Donc n'appelez pas votre cochon par un prénom stupide. Réfléchissez deux fois avant de l'appeler par le prénom que vous voulez.
Donc voilà, moi c'est ce que je faisais. Vous prenez votre dictionnaire, vous faites ça. J'avais un autre conseil. Je sais plus c'est quoi. Sais plus c'est quoi. Au pire, je vais essayer de me rappeler. Et je vais essayer de me rappeler.